Bonjour, aujourd'hui on va parler de la machine à trois parfums. Trois parfums, cinq manettes. Alors je suis Fabien de la SARL Gris, on est constructeur de machines à glace en Auvergne. Voilà, bon j'espère que vous allez bien. Donc là c'était une question, quelqu'un me disait, tiens, est-ce que je peux faire une machine avec trois bacs, du coup trois parfums pour pouvoir faire vanille, fraise, chocolat et du coup distribuer avec cinq manettes. Eh bien, la réponse est que c'est compliqué. Alors, j'explique. Quand je dis c'est compliqué, c'est que en fait, cette machine, elle existe. Elle existe en Italie, elle existe en Chine. Donc, si vous la voyez sur Internet, c'est la plupart du temps, c'est en Chine. Et du coup, voilà. Alors, je vous explique le problème que vous allez rencontrer avec cette machine. J'en avais déjà parlé, d'accord? Mais voilà. Donc, il existe deux méthodes, la méthode chinoise et la méthode italienne. La méthode italienne, il y a un moteur par parfum et du coup, là, c'est possible. Le problème, ça vaut 30, 40 000 euros. Ok, du coup, la méthode moins chère, la méthode chinoise, du coup, il y a un seul moteur pour les trois parfums. Et le problème que vous allez rencontrer, c'est que du coup, vous allez tirer beaucoup plus de vanille que d'autres parfums. Et le problème, il est là. C'est que sur une machine normale, déjà qu'on va tirer pratiquement trois vanilles pour une fraise, imaginez-vous, ça va faire six vanilles pour une chocolat. D'accord? Du coup, votre chocolat et votre fraise va continuer à durcir et votre vanille sera molle. Et comme il y a un seul moteur, du coup, donc le système va dire la glace est prête alors que ça ne sera pas prêt. D'accord? Du coup, votre vanille sera molle et votre chocolat sera dur. Parce que on va dire que le moteur calcule sur les trois parfums. D'accord? Donc la seule solution, c'est avoir une machine qui fait un moteur par un moteur par parfum. D'accord? Alors, si vous avez ça, bien sûr, ben, faut pas l'acheter. D'accord? L'option qu'il y a, ça sera de tirer de la vanille et de la fraise là-dedans, du chocolat et de la fraise pour compenser. Mais c'est vrai que c'est pas un travail. D'accord? Il faut toujours vous arranger pour essayer de vendre. Moi, quand je vais vendre des glaces, je vais dire, tiens, une petite vanille fraise. Et on va dire. Ça marche 8 fois sur 10, hein. C'est comme chez McDo, hein. Il vous dit, et avec ça, un coca, hein. Moi je lui dis, un sourire. Donc du coup, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Alors l'astuce normalement de la 3 parfums, elle est là, l'autre fois j'en avais parlé déjà, hein. C'est que du coup, comme la vanille, on va faire 3 vanilles pour une fraise, et ben du coup, je vais mettre vanille, fraise, vanille. Et du coup, à ce moment-là, et ben je vais pouvoir équilibrer et tirer de la vanille à foison sans être emmerdé, d'accord? Alors après je dis pas que c'est pas possible, ça marche quand même, d'accord? Mais c'est pas le top, d'accord? Vous allez rencontrer ce problème. Moi je vois le principal problème, c'est que les gens tripotent les réglages. Ils tripotent les réglages en disant tiens ma glace est molle, mais en fin de compte c'est pas la glace est molle, c'est que ma fraise est trop dure et du coup ma vanille elle est molle, d'accord? Ça compense, d'accord? Si mon moteur, je vais pas vous retourner, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà, d'accord? Voilà. Tiens, en parlant de glace, je vous ai dit l'autre jour, ah mais non, je ne vous le dis pas, je vais vous faire une vidéo après là-dessus spécialement. D'accord. Bon, j'espère avoir répondu à cette question. J'ai vu deux, trois questions qui étaient intéressantes. Je vais faire une vidéo là-dessus. Allez, je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à partager. D'accord. Je rappelle que hier, j'ai fait une vidéo pour parler de la formation qu'on est en train de préparer. D'accord. Moi, c'est moi qui le fais. D'accord. Du coup. N'hésitez pas à retourner la voir hier, cliquez sur le lien et je le mettrai en dessous, d'accord? Je vais mettre le lien en dessous et du coup vous allez pouvoir répondre au questionnaire. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient répondu, d'accord? Essayez de répondre à toutes les questions, d'accord? Ok? C'est important. Allez, comme ça je vais essayer de voir en fonction de vos besoins, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, d'accord? Je vais essayer de faire plein de modules, je vais peut-être essayer de faire un module ou de base. Et avec des options en plus, comme ça, je veux dire, voilà, celui qui veut, qui a pas trop de pognon, par exemple, eh ben, il va se payer juste une formation pour fabriquer les glaces, donc, comme si c'était un livre de recettes amélioré, parce que la recette, je vais la faire en même temps, d'accord? Et jusqu'à savoir calculer une glace, etc. Et avec toutes les options, avec la glace alcoolisée, la glace à la ferme, la glace ci, la glace ça, la glace bâtonnée, ok? On va se faire un putain de business. N'oubliez pas que le business de la glace, c'est super rentable. Donc, si vous apprenez à fabriquer des glaces,
Eh bien, à vous les euros. Hein. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est passé, elle me disait que le bac de glace, c'était 17 et quelques, d'accord? 2 litres et demi de glace, d'accord? 17 euros. Ouh! Jackpot! Tch-tch. Ring, ring, machine à sous. Ok? Allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.